C'est Ice Minotaur et on va tester un nouveau micro en mode ASMR. Et la surprise se trouve juste ici. Nous allons tester et écouter attentivement la qualité du Videomag MEC de chez Rode, une compagnie que j'affectionne tout particulièrement car je n'ai jamais été déçu de la qualité de leurs produits. C'est un micro qui coûte 90 euros. Allez, je dirais entre 80 et 90 euros. Smartphone possédant uniquement une entrée USB-C. On verra si vous pouvez faire des vidéos ASMR en utilisant uniquement ce micro. Sachez que vous n'avez pas besoin d'avoir de la haute qualité du matos très onéreux. Vous pouvez très bien vous en sortir avec du matériel bon marché. Mais avant de commencer, il y a une distribution de pourboire ASMR. Le vrai pourboire d'ailleurs, en parlant de ça, il faudrait que je refasse des vidéos exclusives pour les personnes qui possèdent le vrai pourboire, mais pour le pourboire classique, c'est-à-dire le bleu, il y a une distribution tous les 100 likes. Pour la précédente vidéo, on avait atteint 1100 likes, donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Je l'avais acheté pour mon smartphone, mais je trouve que la qualité n'est pas aussi top que si j'utilise un micro-cravate. Et il y avait un petit peu de saturation. Ouais, mais c'est bizarre parce que je disais que je trouvais que la qualité des micro-Rode a toujours été incroyable selon moi, mais je souhaite renvoyer le produit parce que la qualité n'est pas au top. Bon, faut dire que quand je fais des shorts sur ma chaîne principale, j'ai tendance à beaucoup crier et ça doit faire bugger le micro. Bon, mais si je me remarque que la qualité est très top pour l'ASMR, on l'utilisera à la place. Évidemment, on n'aura pas besoin de la moumoute car nous ne sommes pas en extérieur. C'est assez petit comme vous pouvez le constater, le Videomag ME fabriqué en Australie de chez Rode. Et pour pouvoir l'utiliser, j'ai bien entendu apporté mon smartphone et le trépied. Ce qui signifie que vous aurez le droit à deux vidéos différentes puisque j'utiliserai la qualité du smartphone, enfin la vidéo du smartphone en même temps que le micro, comme ça il y aura ce petit effet de, comment je pourrais dire ça, ce petit effet de changement, on va dire ça comme ça. Bon allez, on va installer ça tout de suite. Bien sûr. Voilà.
brancher le casque. La qualité vidéo, ça ne sera pas aussi incroyable, mais ça fera l'affaire, j'ai envie de vous dire, c'est le son le plus important. Il y avait eu un petit faux contact, on n'entendait pas le son. Alors il faudra juste faire attention avec le câble du casque parce que juste en le manipulant, on peut l'entendre. Alors attention. Bonsoir tout le monde, c'est Ice Minotaur, et oui, je suis obligé de bien m'approcher pour que vous puissiez entendre mon chuchotement. Alors, le petit problème, c'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment obligé d'approcher à le plus près possible pour que vous puissiez entendre mon chuchotement, et ce n'est pas un son binaural. Mais je reste quand même étonné. La qualité. Qu'est-ce que vous en pensez si on écoute uniquement mon chuchotement et si je m'approche un peu plus? Ah, il faut que je fasse attention si on veut faire. Ouais, non, pour l'instant, au niveau du chuchotement, faut vraiment que je m'approche, mais ça va, c'est très bien. On va de suite prendre un objet. Quel objet nous allons prendre? Celui-ci, évidemment.
il y a un petit défaut concernant le ROD. Il faut vraiment être tout prêt pour qu'on puisse écouter attentivement les sons si on se met en mode ASMR. Je trouve également que les basses sont très très puissantes. Ah non, c'est peut-être, ça vient peut-être du casque pour les basses. Parce que j'ai mis une option pour qu'on puisse entendre plus les basses. Et un autre petit défaut, c'est qu'on est vraiment obligé de se mettre tout près du micro pour qu'on puisse entendre. Et ce n'est pas un son binaural. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait l'affaire. Mais si maintenant on prend un objet totalement différent. Oui, je bois pas de café, j'ai du café, mais ça c'est pour les invités. Faut toujours avoir du café chez soi. Essayons avec cet objet pour voir. Déjà on écoute avec les micros classiques. Oui, je ne suis pas un joueur de Yu-Gi-Oh! Mais j'avais récupéré sur un site une display booster spécial 25 ans Yu-Gi-Oh! Si je peux me faire un petit x2, x3 ou x4 en revendant le produit, je vais pas dire non. J'ai acheté combien ça? Je crois que j'ai acheté 160 ou 150 euros, je sais plus exactement. Je trouve que cette display n'est vraiment pas fournie, puisque nous avons que 24 paquets, 24 paquets de 5 cartes. J'en avais jamais vu en magasin. Je ne sais même pas si ça vaut le coup. Peut-être que les fans de Yu-Gi-Oh! Qui regardent cette vidéo pourront peut-être concernant ce produit. Et à tous les coups, ça va me réclamer une ouverture en mode ASMR de l'intégralité de ce display. On verra ça. Maintenant, on va passer à la boîte de café. C'est pas une boîte, mais un récipient de café. Les deux récipients de café. On va commencer par le Nescafé. Ah, mais l'autre, c'est aussi un Nescafé. On va commencer par le spécial vitre, l'original.
sablier. Ça, c'est de la chicorée. Ouais, en effet, ce n'est vraiment pas le même son et c'est ça qui est incroyable et c'est peut-être pour ça que vous aimez bien les tests de micro ASMR parce que vous n'avez pas, vous ne prenez pas rapidement cette habitude et vous avez l'impression de redécouvrir des nouveaux sons. Et puis, écoutez plusieurs sons différents. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo avec trois micros différents. Passer au prochain objet. On va prendre quoi? À chaque fois que je teste un micro, j'ai toujours plein d'objets sur ma table et je ne les utilise pas tous. On va changer un petit peu, on va prendre une figurine. Mais j'espère que vous l'avez reconnue. En vrai, si vous ne jouez pas ce célèbre jeu, vous ne pouvez pas reconnaître ce personnage qui est pourtant le personnage le plus emblématique d'un jeu très populaire. Là, il fait le train d'hype. Bon, je vous le fais pas en mode normal train d'hype, c'est pas du tout ASMR. Chevalier noir. Par contre, la qualité de la figurine laisse à désirer, c'est hyper léger. Ça fait très 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 cheap, mais bon, j'ai acheté ça 3 euros vite grenier. Avec ce micro, c'est que lorsque je mets l'objet tout près ou que je me mets tout près, vous voyez beaucoup moins. Je ne peux pas utiliser des grosses.
ça donne un petit charme. Mais je vais quand même utiliser un autre objet, un dernier objet pour terminer ce test. Un vieux téléphone portable, on peut même pas appeler ça smartphone parce que ça n'était pas tactile, les touches étaient intégrées dans le téléphone. Les plus jeunes d'entre vous ne connaissaient pas ces anciens téléphones portables, mais on utilisait beaucoup ça. Bah, de toute façon, on n'avait pas le choix. C'était l'époque des téléphones qui duraient dans le temps au niveau de la batterie et qui étaient extrêmement solides. Je pense évidemment au Nokia 3310. Bon, là, ça, celui-là aussi, c'est un Nokia, mais c'est pas le 3310. Le 4310 est sorti bien avant celui-ci. Attention, incroyable, ça capte la 3G. Et je me souviens que j'avais eu mon premier téléphone portable, c'était pas un smartphone, quand j'avais 18 ans, donc c'était en 2003. C'était un très très vieux téléphone dans le même style que celui-ci. Non, c'était dans le même style que le Nokia 3310, mais justement c'était un smartphone, je l'avais juste pour pouvoir appeler mes parents, c'est tout. Et ça, c'était l'un des premiers smartphones de mon frère jumeau. Ouais, pour le micro, il faut vraiment se mettre tout près du micro pour que vous puissiez bien entendre les sons. En tout cas, j'espère que ce nouveau test vous aura été convaincant et vous aura bien relaxé. Sachez que j'ai d'autres micros à tester prochainement. Ça devrait vous plaire. C'était Ice Minotaur. Bonne nuit à tous.